C'est pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite. J'ai un certificat d'études primaires d'ajusteur fraiseur. Et aussi mon permis de conduire. Enfin, j'ai plus pendant quelques mois. Mais... Je peux pas manger la soupe gratuite. J'aimerais mieux dormir dans les prés. J'aurais pas mon certificat. Paris, je suis de la mauvaise graine, je confirme. Parce qu'un jour j'écris je t'aime sur les murs de l'orphelinat. En cassette, elle est dormée. Nous ont habité dormée. Tout au long des jeudis sans fin. Voyez passer les orphelins qu'on montrait du doigt là. Alors bien sûr, dans le dortoir la nuit, quand tout était paisible, j'entendais parfois des pleurs d'enfants, des respirations, des petites lumières vertes, des éducateurs qui passaient pour voir si tous les enfants dormaient. Moi je dormais pas, j'étais déjà de la nuit, un oiseau de nuit. Et sous mes draps, je lisais des bouquins et j'écoutais des chansons. La nuit, je m'invente un vrai roman. Que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman de Claire et un papa qui aurait de l'argent. Ah, si jamais j'entends ça, je vous en supplie qu'ils viennent tout de suite avant que mes oncles s'écritent sur un mur de l'orphelinat. En casquette et d'un doré, en blouson à bouton doré, tout au long des jeudis sans fin. Venez passer. Mais oui, on avait tous des têtes d'orphelins. Les orphelins. Je suis pas bien gros, je suis pas malin. Je me suis pesé, 67 kilos. 1m80. Je peux faire des efforts d'après Coco. J'ai peur de ne jamais être un homme. De rester toujours le pauvre monde à qui personne tiendrait la main. Et malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête. Et pour peu que j'ai des allumettes, moi je mettrai le feu à l'orphelinat.